Coucou ma petite Kenza, c'est madame Christine. Aujourd'hui je viens te voir, rien que nous deux, c'est pour te raconter une petite histoire. Tu pourras la lire, tu pourras l'écouter, je te la raconte et après tu pourras en parler avec maman. Cette histoire-là, c'est l'histoire Au revoir Blaireau. Blaireau était un ami sûr, toujours prêt à rendre service. Il était très vieux et connaissait presque tout de la vie, mais il savait aussi qu'il devait mourir bientôt. Blaireau n'avait pas peur de la mort. Pour lui, mourir, c'était simplement quitter son corps. Ça ne l'inquiétait pas beaucoup car son corps était vieux. Une seule chose l'inquiétait, c'était la peine que pourraient avoir ses amis. Et pour les préparer, il leur avait dit que bientôt ils descendraient dans le grand tunnel et qu'il espérait qu'ils n'auraient pas trop de peine. Un jour, Blaireau regardait taupes et grenouilles qui dévalaient la colline. Il aurait aimé plus que tout au monde courir avec eux, mais ses vieilles jambes ne lui auraient pas permis. Il regarda un moment ses amis s'amuser et ce spectacle lui fit plaisir. Ce soir-là, il rentra au logis. Il dit bonsoir à la lune, tira les rideaux. Dehors, il faisait froid. Il se glissa lentement vers un bon feu qui l'attendait tout au fond de son terrier. Il dîna et puis s'assit pour écrire une lettre. Et lorsqu'il eut fini, il s'installa dans son fauteuil à bascule, près de la cheminée. Il se balança doucement. Et bientôt, il s'endormit et fit un étrange et merveilleux rêve. Un rêve comme il n'en avait jamais eu. À sa grande surprise, Blaireau courait, agile et vigoureux. Devant lui, il y avait un grand tunnel. Il n'avait même plus besoin de sa canne. Il courait vite, de plus en plus vite dans ce grand tunnel. Et soudain, ses pattes ne touchèrent plus le sol. Il se sentit basculer et tomber. Blaireau se sentait libre. C'était comme s'il avait quitté son corps. Le lendemain, les amis de Blaireau se rassemblèrent devant la porte. Ils s'inquiétaient parce que Blaireau n'était pas encore sorti pour leur dire bonjour comme d'habitude. Et Renard leur apprit la triste nouvelle. Blaireau était mort. Il leur lut sa jolie lettre et elle disait simplement « Je suis descendu dans le grand tunnel. Au revoir mes amis, Blaireau. » Tous les amis aimaient beaucoup Blaireau et furent très tristes. Taupe surtout, se sentit seul, perdu et très malheureux. Toute la nuit, blottie dans ses couvertures, taupe pensa à Blaireau, et de grosses larmes roulaient sur ses joues de velours. Dehors, l'hiver avait commencé, il y avait de la neige. Les animaux s'abritaient dans leurs terriers tout douillets, et la neige recouvrait toute la campagne. Mais les amis de Blaireau étaient bien tristes. Blaireau était toujours là quand on avait besoin de lui. Tous les animaux se demandaient que faire maintenant qu'il était parti. Blaireau leur avait demandé de ne pas être malheureux, mais c'était bien difficile. À l'approche du printemps, les animaux se réunirent et ils parlaient du temps où Blaireau vivait encore avec eux. Taupe raconta qu'un jour, Blaireau lui avait appris à découper des petites taupes dans du papier plié. C'était pour faire de jolies guirlandes. Au début, les découpages étaient ratés. Mais après, Taupe avait été tout joyeux lorsqu'il avait enfin réussi à découper une ribambelle tout entière. Grenouille racontait que c'était Blaireau qui lui avait appris à faire du patin à glace. Il l'avait gentiment guidé sur le sol et l'avait tenu
jusqu'au jour où, enfin sûr, Grenouille s'était élancée et avait patiné tout seul. Renard, lui, racontait que lorsqu'il était renardeau, il n'arrivait jamais à bien nouer sa cravate. Alors Blaireau lui avait montré comment s'y prendre. « Tu tiens le large bout de la cravate, tu le passes par-dessus le petit bout et tu formes une boucle. » Maintenant, Renard savait faire tous les nœuds possibles, et même des nœuds de son invention. Et bien sûr, sa cravate était toujours impeccablement nouée. Blaireau avait donné à Madame Lapin la recette du pain d'épices. Il lui avait appris à fabriquer des petits lapins. Madame Lapin avait la réputation d'être une excellente cuisinière et elle raconta sa première leçon de cuisine avec Blaireau. Il y avait longtemps de cela et pourtant elle sentait encore la savoureuse odeur du pain d'épices sorti du four. Chacun avait un souvenir particulier avec Blaireau. À tous, il avait appris quelque chose. Et chacun savait le faire maintenant très très bien. Et par ces merveilleux cadeaux, Blaireau les avait rapprochés et les avait unis. La neige fondit, et la tristesse des animaux aussi. Chaque fois que l'on parlait de Blaireau, quelqu'un se rappelait d'une histoire, et ça redonnait le sourire à tout le monde. Et par une belle journée de printemps, alors qu'il se promenait sur la colline où il avait vu Blaireau pour la dernière fois, Taupe voulut remercier son ami pour son merveilleux cadeau. « Merci, Blaireau, » dit-il doucement. Il pensait que Blaireau l'entendait. Et sans doute, Blaireau l'entendit.